Eh bien salut à tous, c'est Etienne et on se retrouve sur Genshin Impact pour une vidéo, une quête secondaire. Donc on va continuer la quête, la suite de quête 1 dégradé de rêve et d'ocre. Et on est sur la partie 12 pluie imminente. Hein. Donc vous avez la première partie sur la chaîne, hein. N'hésitez pas à la regarder si vous l'avez pas. Et il faut du coup qu'on aide ma mère pour réparer son chien robot. Seymour. Donc on doit aller se renseigner à propos des composants dans la ville et après on verra ce qu'il faut faire. Donc en partant du TP ici, on a juste à grimper, ou en partant de sa maison, hein, elle était à côté du TP si j'ai pas de bêtises, ou là plutôt. Ouais, sa maison est là, donc en partant d'ici, on a juste à se rendre par là. Donc apparemment on peut parler à cette personne, de toute façon vous avez la zone... La zone jaune qui apparaît sur la carte. Alors, voyons voir. Ok. Alors, elle s'appelle Serene. Ou Serene, ou Serene, ou oh, bref. Ok, reprenons. J'ai eu un appel en même temps. Alors. Ouais, on est à la recherche de composants. Qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne un composant sain. Ok, mais attends, c'est pas qu'elle s'entendait pas avec les autres? Soit il y a un gros quiproquo, ou je me souviens plus du début de la quête, enfin de la première partie. Du coup, faudrait peut-être faire les quêtes et tout ça des villageois pour pouvoir obtenir... plus comment dire, de composants et tout ça. Par exemple là le villageois qui a besoin d'une quête ici. Ok. Et on en a du coup. Il y a plusieurs moyens j'imagine de les avoir parce que si vous vous souvenez, on a ouvert un coffre pendant la quête. Où il y avait... Oh tiens, il y a peut-être également un coffre là. Est-ce qu'il n'y en a pas un dedans? Non, il nous l'indique pas. Alors... Ouais, non, pas de... Pas de truc. Donc ouais, à mon avis, il faut faire la quête ici. Après, il doit y avoir d'autres moyens de les avoir. Par exemple, on va voir aussi cette personne. Non, il n'y a pas. Ouais, donc je vais regarder les différents moyens parce que j'imagine qu'il y a plusieurs, il y a peut-être plusieurs étapes. On va voir ça. Ok, donc c'est bien ça. Il y en a par ici. On va aller voir. On va soit faire les quêtes pour récupérer tout ça. Soit vous pouvez aller les chercher avec les coffres et tout. Alors, viens voir ici. Ici, on a un coffre, voilà. Après, je vous montrerai... Alors, tiens, il y a ça qui est apparu, d'accord. Il fallait faire la conque. Et... Activer l'écho et ouais, après, il faut faire ça... Ok, faut du coup aller les réveiller. Hop. Et servir de ça pour les tuer. Du coup, le coffre est déverrouillé et dedans il va y en avoir un. Hop.
Yes, c'est ça. Ok. Après, autre coffre. Donc, on a celle que la quête nous a donnée par défaut en parlant à la personne. Mais il y a également par là-bas. Je vais vous remontrer l'emplacement. Après, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous devriez la voir. Ça, je ne sais pas si ça peut en donner. Oui, après, j'aurais pu prendre le téléporteur. Mais en gros, c'était par là. C'était là-bas. Le coffre qui était ici. Voilà. Il y avait un coffre ici où il fallait du coup réussir à envoyer les vagues de toute façon de la première partie pour pouvoir renvoyer vers ici et du coup activer et du coup ouvrir le code, le coffre. Et de cette façon, on a pu obtenir un des matériaux qui était dedans. Et ensuite, le troisième qu'on va avoir besoin, enfin du coup le quatrième, si on prend tout ça en compte, il se situe en haut de cette tour, si j'ai bien compris. On a un coffre. Il y a des ennemis aussi là. On essaie de grimper. Évidemment, il m'empêche de grimper. On va les tuer. Hop. Ouais, merde. Voilà. Elle me tirait dessus là. Bref. Je veux grimper là-haut. On va voir si je peux grimper par là. Le problème c'est que. Mince. C'est que j'ai pas l'impression que je puisse grimper, hein. Parce que du coup je passe par-dessus le truc. Hop. Si, à moitié? Ouais, si, on peut y arriver. Mais après, là, je fais comment? Ouais. Ah, il y a ça. Je l'ai pas vu. Il y a lui qui est là. Alors, on va trouver une solution. On va trouver une solution. À mon avis, il faut les éliminer et peut-être qu'il y a un courant d'air qui se fait. Non, ça ouvre le coffre seulement. RIP. Ah, il y a bien un moyen, peut-être en passant d'ici. Bon, déjà, on a ça. On a ce coffre. On va remonter là. Oh la vache. Pas simple pour monter. Bon, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Parce qu'il me semble que c'est là où qu'il est, mais après maintenant j'ai un doute. Voyons voir. Bon, j'essaye de trouver le chemin qu'il faut prendre pour vous l'indiquer. Ok, je pense avoir un peu trouvé le truc. Alors là où il y avait le coffre, on peut passer par derrière. Et là, on peut déjà grimper sur cette partie-là. Hop. Là, on peut être on peut être debout. Donc après, on s'envole. Comme ça, on arrive au-dessus de la bordure. Là, on peut être un peu debout. On est un peu en travers. Et comme ça, regarder un petit peu d'énergie. Ensuite, on peut grimper comme ça. Voilà. On grimpe, on grimpe. Ensuite, là, il y a des rebords qu'on peut se reposer à nouveau dessus. On va essayer de grimper par là. D'accord. Ou plutôt par là, oui. Alors, on va y aller doucement pour pas utiliser toute ma stamina. Ouais, en passant par là, du coup, c'est mieux. Voilà. Et là, on a un coffre. Voilà. Vous l'aurez compris, c'était pas évident. Mais en gros, faut arriver à ce niveau-là. Et après, vous passez par la droite. Hein. Passez par ici. Voilà. Hop.
Et c'est tout bon. Bah, je pense qu'on aurait pu y arriver de par là, mais ça va être un peu plus compliqué. Le mieux, c'est de partir de là-haut. Comme ça, vous arrivez tout de suite au-dessus de cette bordure-là. Ce qui est quand même un peu plus efficace. On va aller prendre le TP qui est là-bas. Parce que du coup, on peut retourner voir ma mère. Hop, bam. Allez, on y va. Il y a deux TP, il y a un TP pour le village. Bah, c'est pas le bon. Si c'est ça, c'est que l'autre, il y a un TP pour le village et un TP pour l'endroit chaud. Ok. C'est ça. Je crois qu'il y en avait un qui est arrivé directement à côté de la maison. Après, vous pouvez toujours faire les quêtes. Mais c'est plus long, du coup. Après, en toute logique, c'est plus long. Ok, donc voyons voir. On a ramassé les composants. Alors. Tout ira bien si elle fait comme on lui a dit, ok. Très bien, très bien. Ok. Ah, c'était un jeton, d'accord. Chelou. Ok, c'est relevé. Ok, d'accord. Je se rappelle du coup de ce qui s'est passé. Ouais, bon, c'est technique. Ok, elle était en mode automatique, c'est pour ça qu'il l'a protégée. Ah, papapapam. Que j'ai eu des discussions juste avec les trucs enregistrés. Et bien. D'accord. Il y avait une sorte d'intelligence aussi derrière. Ok. Il y a quand même
subit des gros dégâts. Ah. Qu'est-ce que ces contaminations qui n'allaient pas avec les minerais là, minerais chevaux? Ok, bon. Sans déconner, une secousse qui est normale. Ok. Alors il faut se rendre à l'endroit indiqué qui est là-bas. Ah, donc hein, vous pouvez passer là. Ah, je vais prendre le TP. Hop. Il y en a ça. On va récupérer une. Alors, on va voir. Alors, après. Apparemment, c'est ici. Il faut se balader par là. On a un petit coffre. Très bien. On se rend par là-bas. Il y a. Ok, on va aller ici. On voit qu'il y a de la contamination. Les poissons sont en vie. Il y a ça qui est là, mais on verra après. Il va y avoir également un autre TP. Il y a une petite âme qu'il faut ramener ici. Oh. Très souterrain aussi cette map. Ok, il y a un limier. Enfin, il y en a plusieurs. Hop, on va se les faire. Ah, il y a, c'est moi qui nous aide. Non, c'est pas ça, j'ai oublié la kill, le mauvais truc dans le mauvais sens. Pas grave. Bon, on l'a tué. Hop. Donc, on a un coffre ici. Qu'il fallait ouvrir. Là, ça, c'est chelou. Mais bon, il peut rien. Il nous demande d'aller en bas. Sous l'eau. Cachable. Ouais, c'est sous l'eau. Heureusement que c'est translucide à l'intérieur hein, et qu'il n'y a pas de danger parce que ça, sinon je pourrais pas aller dans l'eau comme ça, même dans un jeu. Ok, il y en a une qui est là. Ah bah tiens. Ok, donc il faut aller déverrouiller ça, très bien. On va aller le faire. Alors, du coup, on récupère ça. Voilà. Et là, il faut réussir du coup à couper ces deux-là en même temps. Voilà. Je fais pas ça. Avant. Je peux pas couper les trois en même temps. D'accord. Ouais. Ça c'est. Ou alors faut que je touche là. Parce que j'ai l'impression qu'il s'éclaire ou pas. Ouais, en fait, il faut juste les toucher. D'accord. Peut-être qu'ils étaient juste moins brillantes quand on les touche. Ok.
plus qu'un ami imaginaire s'il connaissait votre position, hein. Ok. Papapapapam. Allez, en route. En route, en route. Nous, il faut qu'on rentre par où? Ok, donc il faut qu'on ressorte quelque part. Donc j'imagine qu'on peut passer par là. Vous avez des défis et tout ça, hein. Il y a plein de choses apparemment. On peut même remonter par là, peut-être. Bon, nous on va aller par ici. Il y a une conque. Ah, il y avait une âme dedans. Il y a une conque là. Hop, et c'est ah, justement par là qu'il faut aller. Et là, ça va faire un circuit. Ok. Avec du courant, je pense qu'on peut se laisser emmener hein, et on arrive ici. On peut pas passer dans le sens. Ok. Si, il y a cette petite âme qui vient jusqu'à là, peut-être important de la prendre. Ah bon, je pense que vous pouvez faire le truc dans l'autre sens. Hein. Bref, on a ça et ça ouvre également cette partie. Enfin, ça ouvre ça. Ce qui nous permet d'aller plus vite. Mince. On peut utiliser ça du coup. Bon, après, ça sert pas à grand chose. On aurait pu utiliser. Enfin, on aurait pu nager normalement. Il nous fait accélérer. Et on arrive ici. Ah, il y a... ah non, c'est un autre village! Ok, mais il est sous l'eau celui-là. Alors. Car on l'a escorté. Mais est-ce que c'est fini ou est-ce qu'on doit pas aller faire cette ce problème de contamination justement. Alors. OK. Personne ne peut entendre ça va, OK, que elle. Ouais, du coup, la voix qu'on avait. Oui, c'est vrai qu'on l'avait entendue dans la première partie. Ah, ce bruit qu'on entend là. Ouais. Il y a un passage, il va tout démonter, il va tirer un gros missile. Manque de confiance. Vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Est-ce qu'on le voit faire ou... Quoi? Où? Ah, là-bas. Ok. J'avais pas vu qu'il y avait ce trou là. Ici. Ah là il a cassé. D'accord, c'était un trou mais il y avait ça qui bloquait. Du coup, ah, on était à un village en dessous. Ok. Pas fait attention. Donc on est revenu là. Et après il faut aller là-bas. Vers l'entrée de ce petit village. Ok. On peut prendre le téléporteur là. Pour aller jusqu'à la zone qu'on était allé avant. Ok.
Ah. Et celle qu'on avait récupéré la peinture. Du coup, là, on a des ennemis qu'on va s'occuper. À mon avis, c'est pas les seuls, il va y avoir un boss ou un truc comme ça. Non? Ah, ça c'est fait. Donc il me reste celui-là. Donc il faut utiliser résonance, je crois qu'il faut taper dessus. Voilà. Se brise. Ok. Ah, les fameux humains qui s'est venu pour récupérer les peintures. Je pense qu'ils s'intéressent aux minerais. Enfin, je pense que c'est un lien avec les minerais vu qu'ils s'intéressaient vachement à la peinture utilisée. Ah. Des ennemis. Des émérites du coup qui arrivent et qui sont pourchassés par encore des ennemis. Aïe, ouais, ok. Forcément. Un modèle de purification. Hop, allez, c'est parti. Bon, c'est tout petit comme ça. On va se les faire. Allez. Hop. Ah, il y a quand même un gros qui arrive derrière. Il est où? Alors, le marave. Hop. Pas encore mort. Ouais, meurt. Oh. Allez. Reste plus rien comme point de vie. Oh, t'es relou. Ils sont bien résistants, donc les coups normaux, ça leur fait pas perdre beaucoup de points de vie. Alors. Ah oui, c'est vrai, c'est ceux qui accompagnaient Jacob. Je me rappelais plus la tête qu'ils avaient. Ok. Ah ouais, d'accord. Il a pu les invoquer comme ça. Bon, c'est un peu... C'est pour ça qu'ils étaient à cran. Ils voulaient absolument être payés. Ils n'avaient même pas d'acompte et tout ça. Bon, bref. Ouais, moi, ouais. Des victimes, ouais. J'aime bien comment ils s'énervent. Ils sont tout mignons.
Ok, donc la suite, ça va être retrouver Jacob, j'imagine. Ah, il y a encore des tremblements. D'accord. Ok, allez. Emmène-les. Ah. Ok, en gros, quelqu'un est en train de faire quelque chose en ce moment. Du coup, avec leur liaison, ils ressentent la douleur. Ok, et on arrive à l'acte 3. Ok. Bon. Sur ce, on se dit à la prochaine pour la suite de cette quête. Et on va voir un peu ce qu'il en retourne. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, etc. Et ciao tout le monde!